Nous avons les huîtres de palétivier et les huîtres de roche. Donc les huîtres de palétivier, elles sont plus charnues que les huîtres de roche. Et elles ont un goût aussi un peu amer. Ça, c'est dû à la sève du palétivier qui se nourrissent avec. Voilà. Donc tandis que les huîtres de roche, et quand vous les goûtez, ils n'ont pas de goût. Ils ont juste, si c'est l'eau salée, vous aurez le goût de sel dedans, tout simplement. Voilà. Mais quand on déguste les huîtres de palétivier, il y a le goût amer. Il faut pas craindre parce qu'il n'y a aucun danger. Il y a pas de, c'est pas poison, c'est pas toxique, il n'y a rien tout là-dedans. C'est naturel. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire pour se défaire du goût amer? Est-ce qu'il y a une façon, une préparation pour enlever le goût amer ou pas? Ben oui, c'est tout simplement, il faut le mettre et tremper à l'eau, soit à l'eau du robinet avec un peu de sel dedans, ou bien à l'eau comme ça, mais quand ça va s'ouvrir et ça va se vidanger automatiquement. À Monsignery, on n'a pas l'habitude de consommer des huîtres parce que c'est Noël. Ça peut se consommer à n'importe quel moment de l'année. Et nous, c'est vrai, on consomme rarement des huîtres à Monsignery. Hein. C'est plus, c'est maintenant, tout le monde cherche veut avoir des huîtres pour vendre, mais pas pour consommer. Vous allez passer au moins, dans l'année, vous pouvez passer 10 fois dans une maison, vous ne verrez jamais quelqu'un cuisiner des huîtres. À une époque, quand les gens venaient, je me souviens, les années 70, 72, quand les gens venaient à Monsignery, c'était pour déguster les huîtres de Monsignery. Et nous, enfants, étant enfants, c'est là qu'on faisait notre job, on allait chercher des huîtres et pour nous en fournissait le restaurant. Il y avait 2 restaurants qui fournissaient, c'est ce qui offraient des huîtres aux gens. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.